I know. Hi, nice to see you. Thank you. Yeah. Sort of. I didn't go too far. Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. Just a few quelques petites annonces. Nous allons commencer dans quelques minutes. Pas tout de suite, mais dans quelques minutes. Je voulais faire quelques petites annonces. Donc, il y a deux sorties entrées de la salle. L'entrée principale et il y a une autre sortie ici à votre gauche. Et si vous voulez sortir pour les toilettes, s'il vous plaît, sortez par l'entrée principale, faites une droite et juste allez jusqu'au fond. So there are two main Il y a deux entrées et sorties pour la salle. La principale entrée par laquelle vous êtes passé, il y a une autre sortie qui est à gauche ici. Si vous cherchez les salles de toilettes, vous passez par l'entrée principale, vous tournez à droite et vous allez au bout du couloir. Nous allons commencer dans quelques minutes à peine. Et si vous n'avez pas pris un biscuit ou quelque chose à boire, c'est disponible à l'arrière. Minutes, merci beaucoup. Thank you.
Okay. So we're gonna get... Bien, alors nous allons commencer. Il y a encore quelques personnes qui entrent. Je sais qu'il y avait des problèmes sur la rue Queen avec la rue qui était bloquée. Alors nous allons pouvoir commencer. So it gives me great pleasure. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter notre nouveau premier dirigeant, Toby Nussbaum. De vous introduire à notre premier dirigeant, Monsieur Toby Nussbaum. Merci. Kakina. Bonsoir, Kwekekina. Je voudrais ouvrir mes propos en reconnaissant que nous sommes ici ce soir sur le territoire traditionnel du peuple algonquin. Comme ça l'a dit, je suis Toby Nussbaum, le nouveau premier dirigeant de la CCN, et c'est un honneur de vous accueillir ce soir au Labo d'urbanisme. J'étais assis dans ces chaises-là, moi aussi, avant d'arriver à ce rôle, et je suis très heureux de pouvoir officiellement vous accueillir, et bienvenue à ceux qui nous suivent en direct sur, en webdiffusion sur YouTube. Si c'est votre première participation, j'espère que vous profiterez de cette soirée, que vous la trouverez intéressante et que vous reviendrez. Et pour ceux qui sont venus souvent auparavant, vous savez à quel point c'est intéressant et quelle qualité de conférencier nous avons au Labo d'urbanisme. Je devrais sans doute dire joyeux Saint-Valentin aussi, puisque c'est la Saint-Valentin que vous passez avec nous. Première conférence du Labo à titre de premier dirigeant, comme j'ai dit, et l'une des choses auxquelles j'ai le plus hâte par rapport à mon nouveau rôle est de participer au programme des conférences du Labo à mesure que nous avons avançons. Au fil des dernières années, le Labo est devenu un point de convergence des discussions liées à l'aménagement et à l'avenir de la capitale. Qui plus est, ce Labo est devenu un mécanisme par lequel vous tous et toutes et d'autres personnels du public avaient la chance de participer à l'aménagement de la capitale de notre pays, quelque chose qui est très, très important pour nous. And our subject this evening... Le sujet ce soir, il s'agit de trouver de nouvelles utilisations pour les édifices anciens. Et cela se rattache aux deux principaux aspects du mandat de la CCN, la planification et la responsabilité. J'étais président auparavant du sous-comité du patrimoine bâti de la CCN. Et donc le fait que nous traitions de patrimoine et de réutilisation et rénovation, ça m'enthousiasme énormément et j'ai très hâte d'en entendre plus là-dessus ce soir. Beaucoup d'entre vous le savez, au cours des dernières années, la CCN s'est associée avec de très beaux partenaires pour des projets de réutilisation, rénovation. Je voudrais en mentionner quelques-uns. Si vous ne les avez pas encore vus, j'espère que vous aurez l'opportunité dans les prochains mois d'aller jeter un coup d'œil. Et beaucoup de tout cela découlait de l'initiative des pavillons de la Confédération pour marquer le 150e anniversaire du Canada en 2017. Nous avons la laiterie au Rideau Hall. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous êtes allé patiner là-bas. Moi, j'y étais dimanche et c'est fantastique. Et beaucoup d'entre vous savez que l'ancien musée de la guerre est maintenant le centre mondial du pluralisme de son Altesse la Guerre Khan. Et c'est un excellent exemple de réutilisation, rénovation. Si vous avez été sur l'avenue Sussex, vous avez vu le pavillon Monde Canada, qui est maintenant l'administration centrale de la Société géographique royale du Canada. Il y a aussi, bien entendu, la maison O'Brien au parc La Gatineau, qui a été vide pendant bien des années, qui est maintenant un petit hôtel, boutique, café, un endroit remarquable pour ceux qui n'y êtes pas allés. Je vous invite à le faire et ça, vous pouvez le faire même pendant l'hiver parce qu'il y a un beau gros foyer. Et vous pouvez y rester très confortable, bien au chaud. Ce sont quelques exemples et maintenant nous avons des plans très enthousiasmants pour examiner la réutilisation d'autres structures importantes dans la capitale historique, le
club Royal New Edinburgh Club, l'usine de pâte et papier Bronson et la maison Red Scott, ainsi que les monastères des savants de Jésus-Marie. Comme vous le savez, c'est à la fois un art et une science que de trouver exactement la bonne utilisation pour un édifice patrimonial. Je sais que vous avez tous très hâte d'écouter nos conférenciers de ce soir. Nous allons pouvoir profiter de leurs aperçus sur cet équilibre, justement, entre cet esprit de l'endroit intangible qui évolue au fil des années d'histoire d'un édifice, tout en leur créant de nouvelles utilisations qui sont pertinentes pour le présent et pour l'avenir. Le monastère des Augustines de Québec est un exemple remarquable. Il se trouve à l'emplacement du premier hôpital de l'âme amique du Nord, bâti il y a près de 400 ans au nord du Mexique. Aujourd'hui, j'ai mixé mes pages. Mais en tout cas, on est très très heureux. Où est la page? Je ne sais pas. C'est ici qu'on a avec nous ce soir le gestionnaire de ce projet, qui est Bernard Serge Gagné, urbaniste, architecte, enseignant et associé principal chez ABCP Architecture, où il est le directeur de l'urbanisme et du design urbain. La CCN a la chance de pouvoir profiter directement de la vision et de l'expérience de Bernard, puisqu'il est membre du comité consultatif des résidents officiels du Canada de la Commission. On a eu une réunion ensemble cet après-midi, et Bernard est de notre ce soir. Also with us. Nous avons aussi ce soir Laura Waldie, qui est la planificatrice principale pour le patrimoine de la ville de Cambridge, dans le sud de l'Ontario, où je dirais qu'il y a une renaissance patrimoniale qui est en cours. Et je suis fort impressionnée parce que j'ai pu lire à cet égard. C'est merveilleux aussi. Et notre troisième invité, Tom Morrison, est l'ingénieur principal chez Heritage Standing Incorporated à Fredericton. Nous avons des représentants de bien des endroits dans notre très vaste pays. Avant la fondation de Heritage Standing, il a travaillé au gouvernement fédéral, à la direction générale de la conservation patrimoniale du Canada, pour la responsabilité de maintien des propriétés fédérales. Nous accueillons nos trois invités. Et Stan, maintenant, que fais-je? Je leur cède la parole. Tom, à vous. Est-ce que je peux me servir de ce micro? Est-ce qu'il est allumé? Alors, je dois me fier un petit peu à ma carte, c'est un petit peu ma béquille, parce que je suis toujours nerveux devant des grandes foules. Alors, je suis ingénieure, j'ai travaillé à divers projets un peu étranges et qui m'amusaient. Et je vais vous donner une petite idée. Je ne sais pas combien d'entre vous avez un peu de contexte dans cette question de la conservation des édifices. Un bon nombre quand même. Ça me donne une petite idée. Combien d'expérience de la construction, en tout cas rénovation d'une maison, quelque chose du genre, et combien ont une expérience d'ingénieur? Ah, désolé pour vous. Alors vous serez soulagés d'apprendre qu'on m'a demandé de vous présenter un peu de théorie, parce que un ingénieur, c'est toujours son fort. Alors, si ça fonctionne, on va passer à la prochaine diapo. Je l'espère. Peut-être, peut-être pas. Alors, je vais continuer. Ah oui, ça y est, c'est fait. Pourquoi suis-je des vôtres? C'est une question que je me pose souvent le matin, mais ça c'est pour d'autres raisons. Nous parlons ici de la réutilisation, rénovation de vieux édifices. Et là, je me promène, vous m'excuserez. Je vais aborder un autre aspect. J'ai travaillé à de vastes projets. Toutes les images sont des photos de projets auxquels j'ai participé. Et je voudrais vous parler de quelques-uns de ces tout petits projets, parce que les vastes projets, on en entend parler, ceux qui ont gagné des prix, qui ont changé la
collectivités. On en entend parler, mais pas autant des petits projets. Pour moi, la raison pour laquelle ce que je fais en conservation me tient tant à cœur, c'est parce qu'il s'agit de ce qui nous tient à cœur. Par exemple, en ce moment, il y a de longs débats à Ottawa au sujet de questions comme le plastique. Est-ce que nous aimons cet aspect pratique des bouteilles en plastique ou bien est-ce qu'on va se servir de bouteilles réutilisables? Quelle est la valeur qu'attache la société à cette question? La valeur que nous rattachons aux édifices qui nous entourent? Est-ce que vous pouvez deviner, si vous ne m'avez pas entendu parler auparavant, combien de des dépotoirs sont remplis de déchets de du secteur de la construction? Environ 40%, ça c'est tout au moins, certains diraient que c'est beaucoup plus, c'est un montant important, mais c'est le monde dans lequel nous existons. D'autres questions au sujet de qui nous sommes, ce qui nous tient à cœur, quelle est notre identité? Nous aimons bien cette idée que nous sommes des individuels, que tout peut être adapté à nos besoins. Vous pouvez aller chez IKEA, tant que vous êtes capable de monter ça à partir des 5 différents modules, vous pouvez avoir quelque chose qui vous est adapté. Mais toutes ces structures qui permettent cela, bien souvent on dit « Ah, c'est trop compliqué ». Et je vais parler de cette idée-là dans quelques instants, mais parlons de qui nous sommes comme peuple, quelles sont les valeurs? Quelle est notre histoire? Quel est notre passé? Quel lien est-ce que cela a avec ce que nous sommes devenus? Je n'ai jamais vraiment cru que c'était bon de dire aux gens quoi penser. Ça n'est pas ma responsabilité. Je suis un expert conseil. On prend des décisions. Chacun a pris une décision selon ses valeurs quant à la façon de venir ici ce soir. Chacun prend des décisions jour le jour. Nous devons nous servir de ces mêmes valeurs par rapport aux édifices. Je suis ingénieur structurel. D'habitude, on ne dit pas ces choses-là. Et je peux revenir en arrière si vous voulez tenir l'autre débat à cet égard d'ailleurs. Alors commençons en gardant cela à l'esprit. Je vais partir dans un autre sens maintenant. Parlons d'un type différent de projet très réussi à mes yeux. Et on voit bien cette question de valeur, d'objectif et de ce qu'il faut faire. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces photos dans un instant. Sciences East, c'est dans l'ancienne prison de York County. Cette prison bâtie en 1842 et c'était un pénitencier jusqu'en 1996. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans une prison de 1850? C'est un petit peu petit et ne voulait pas donner trop de luxe aux prisonniers, pas beaucoup de lumière. Est-ce que vous êtes allé à un centre des sciences? Alors, deux ans après la fermeture de la prison, c'est un centre des sciences. Et quand Science East y a emménagé, il n'y avait pas beaucoup de fonds disponibles. Il louait auparavant un tout petit local. Il voulait un endroit qui soit le leur. Et là, il pouvait se permettre de payer la note. Leur objectif, c'était d'avoir un endroit où loger leur centre des sciences. Ils voulaient cela parce que leur valeur, c'était l'éducation. Et c'est ce qui motivait toutes les décisions. Alors, ils ont examiné quels étaient leurs véritables besoins pour concrétiser cette mission? Qu'est-ce qui allait refléter leurs valeurs en matière d'éducation? La plus grande photo, on voit Scott Harrett, un maçon qui travaille avec des étudiants en école secondaire. Ça a rapport à la fiducie nationale et c'était une activité l'automne dernier. L'autre photo, ce sont mes enfants qui jouent à l'intérieur, ou en tout cas trois des quatre. Et ils continuent à concrétiser cette mission, mais ils ont dû repenser la mission. Ils n'avaient pas un grand budget et si vous voyez les dessins du bâtiment, les toilettes sont toujours là où elles étaient dans les cellules parce qu'ils se sont dit, il faut que ça fonctionne tel quel. Et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Alors, c'est un projet très différent, mais parce qu'ils ont pris suffisamment de recul pour penser à qui ils sont et comment faire pour que ça marche, ils ont changé leur façon de concrétiser leur mission. Ils ne font pas ce que font la plupart des centres des sciences. Et on y va, les différentes expositions sont plus petites. Ce qu'ils font, le temps d'interaction d'un enfant avec chaque élément d'exposition est plus élevé que dans d'autres centres des sciences. Le temps moyen que les parents
consacre à une interaction avec les enfants, parents-enfants, est plus élevée que dans d'autres centres des sciences. Donc, ils n'ont pas fait les choses de la façon habituelle. Ils avaient un budget très, très serré. Ça ne répond pas, il faut bien le dire, aux exigences en matière d'accessibilité. Mais leur principal objectif, c'est qu'il leur fallait un endroit où loger. Et c'était ce qu'ils ont fait. Et ça s'applique tant aux petits projets qu'aux grands projets. Ça n'a pas besoin d'être un emplacement patrimonial de l'UNESCO. Il faut dans tous les cas se demander quels sont nos objectifs, nos valeurs, que faisons-nous. Pour les petits bâtiments aussi, c'est inclus. C'est la même idée, il faut comprendre à quoi on a affaire. Il faut documenter, planifier et ensuite faire son intervention. Et c'est un peu flou à certains égards. Tout le monde ici est déjà allé chez le médecin, n'est-ce pas? Oui, oui, je parie que c'est le cas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je perds où pointer, aucune idée. Alors, servons-nous d'une approche un peu médicale. Alors, faisons semblant que le bâtiment est une personne. Honnêtement, tout cela relève de vraies personnes. Les bâtiments sont liés aux personnes. Alors, si moi, je regarde ce bâtiment, je vais commencer avec une histoire de cas. On cherche à comprendre le passé de ce bâtiment. Ce n'est pas tout nouveau, ce bâtiment. Il faut comprendre son historique. Si je veux m'en charger, je veux comprendre le dossier. Il y a des historiques, bien sûr. Lorsque nous allons au médecin, justement, nous avons une historique de traitement médical et le médecin peut regarder cela pour comprendre le contexte, pour une mise en contexte de la gestion du cas. Souvent, cela explique tout. Ils n'ont pas besoin de penser au-delà du cas déjà présenté. Ce bâtiment a été construit dans les 1850. Il y a eu un incendie en 1911. En 1980, lorsqu'ils y travaillaient, ils ont découvert qu'une partie des parois penchait un peu vers l'extérieur. Les murs penchaient. Ça, c'était en 1980. Lorsque moi, j'ai vu cela, j'étais déjà au courant de ce fait, ayant étudié le cas. Donc, ce n'est pas comme si j'y suis allée, j'ai dit, « Oh mon Dieu, le mur a penché, je ne sais pas depuis quand. » Mais je savais qu'il y avait eu cet incendie qui avait beaucoup endommagé la tour, entre autres, et que ce mur penchait depuis assez longtemps. Ça a créé tout un contexte pour ma compréhension, n'est-ce pas? Parfois, on regarde les fondements du Réunion et on comprend comment ça a été construit, on comprend combien ce bâtiment pourrait supporter en poids. Tout cela, c'est grâce à l'historique. Il y a toujours des bémols et l'ingénie, bien sûr, traite des détails, mais l'idée principale s'applique. Alors, quelle est l'histoire de Calis de ce bâtiment? Ça importe quand même. Aussi, le médecin va chercher à établir un diagnostic. Personne ne veut un médecin qui, on va le voir, on dit « j'ai mal à la tête » et le médecin nous dit « ah, vous avez mal à la tête ». Bon, d'accord, vous avez mal à la tête, justement. Puisque cela, ce n'est qu'un symptôme. On ne s'attend pas à ce que le médecin traite nos symptômes. Et nos bâtiments, c'est un peu la même chose. On voit des fissures, c'est un symptôme, mais ce n'est pas la cause. Si je cherche à comprendre le bâtiment, je me pose comme question, ah ben, c'est quoi la problématique fondamentale? La diagnostic, bien, je vais poser des questions. Le médecin vous demandera si en vous levant, vous avez encore mal à la tête, vous avez l'impression que vous allez tomber. Et quelques vérifications, votre température par exemple. Et de la même façon, je vais voir s'il y a de la moisissure dans le bois. Je peux creuser des trous dans le sous-sol pour voir de quoi il s'agit. C'est un peu, le médecin pourrait faire quelque chose de semblable, disons. Voici, nous cherchons les causes fondamentales des symptômes. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, de toute façon, s'intéressons au bâtiment? Et quelle est la cause de la problématique? On pose ces deux questions ensemble. Et cela va nous amener à la prochaine étape. Et la prochaine étape, d'ailleurs, c'est à peu près maintenant qu'on appelle les ingénieurs. Mais cela dit, c'est le traitement après le diagnostic.
Le traitement suit. Alors, chez le médecin, la plupart d'entre nous, pas tous sans doute, mais la plupart d'entre nous, auront tendance à se dire qu'une fois que nous ayons le diagnostic, on saura un peu quoi faire. Et on posera cette question, que dois-je faire pour continuer à vivre, je ne sais pas, jouer le piano comme d'habitude ou courir comme j'aime bien le faire. Et ça, ça aura une influence sur le traitement. Alors, pour les bâtiments, on cherche à intervenir le moins possible. Pourquoi? Ben, tout comme pour une personne, vous ne voulez pas prendre trop de médicaments, il y a toujours des effets imprévus. Trop de chirurgie, ben, il se peut que ça tourne mal. Même chose pour un bâtiment. Le plus vous intervenez, le plus de choses inattendues pourraient se passer. De plus, il y a toujours plusieurs possibilités pour un bâtiment. On se dit, bon, écoute, c'est tout simple, et si votre problématique est simple, bon, vous ne venez pas m'en parler. Mais disons que vous allez chez l'optométriste, vous dites, je ne vois pas clair. Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, bon, vous ne faites rien, vous gérez la situation, ou bien je peux acheter des lunettes, ou porter des lentilles cornéennes, ou accepter une intervention au laser. Plusieurs façons, donc, de gérer l'enjeu. Et justement, les ingénieurs s'y attardent et essaient de s'amuser avec tout ça. Aussi, quelle est la valeur des interventions? Comment motivons-nous le projet et comment travaillons-nous de pair avec les autres parties prenantes de la conservation des bâtiments? Parfois, les traitements peuvent être assez simples, somme toute. Je vous offre quelques photos pour vous aider à saisir la situation dont je vous parle. Ici, il y avait un espace et tous s'inquiétaient du fait que le bâtiment allait sans doute s'effondrer. Mais ce que vous voyez là, c'est un travail qui avait été effectué en 1910 environ. Ils avaient monté des poutres de bois et avaient pris des barils de pierre et avaient par la suite fixer tout cela. Et bon, vous y allez plusieurs années plus tard et c'est ce que vous voyez au-dessus de vous. Et oui, il fallait intervenir. Mais parfois, lorsqu'on regarde de près, on voit que le béton est assez solide, par exemple, et qu'il n'y a pas vraiment grande intervention à prévoir. Ce qui peut, bien sûr, nous sauver de l'argent. Épargner des dépenses. Alors, le médecin, encore, le traitement, ce n'est toujours pas la dernière étape. Il faut continuer à surveiller la situation, à se rapporter au bureau du médecin de temps à autre, n'est-ce pas? Même chose pour le bâtiment. On ne peut jamais se dire qu'effectivement, il n'y a rien à faire. On peut attendre jusqu'à la fin des temps. Plus d'intervention. La plupart des bâtiments qu'on a créés depuis 60 ans, bon, dureront encore un petit moment, mais connaîtront des problématiques éventuellement. Mais les entreprises qui les ont construites, ben, sont sans doute disparues à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit un problème, on intervient de temps à autre. On intervient grâce à une surveillance soutenue. Parfois, la surveillance est simple. Vous regardez, vous voyez. Parfois, c'est beaucoup plus complexe. Je pense à un site UNESCO, 1980, ils avaient vérifié si une fissure s'élargissait en mettant une pièce que vous voyez là, en forme de deux triangles pour un nœud de papillon, quoi. Pour essayer de forcer la fissure. Et si la fissure ne s'élargit pas, on voit que tout va bien. Alors, voilà, voilà ce qu'il en est du métaphore de la visite chez le médecin. Parlons encore des ratés possibles. Il y a toujours de petits obstacles à nos projets qui se présentent en cours de route. La communication dans tous les domaines est certes importante et des
des incompréhensions, des erreurs de communication sont dommageables. Bon, alors on parle souvent de certains types de murs, de murs de soutènement, et tous ont une définition à eux de ce qu'est un mur de soutènement. L'ingénieur, le concepteur, le propriétaire. Et si on ne communique pas correctement, on n'arrive pas à cerner la situation. Une arche, par exemple. Ça semble assez simple comme concept, mais les écoles d'ingénierie n'enseignent plus comment traiter des arches. On en voit, mais c'est une antiquité, une arche. Donc, on n'apprend plus comment créer et entretenir les arches. Les gens cherchent bien souvent à utiliser une approche contemporaine pour de vieux bâtiments. C'est pas très sensé. C'est un peu comme si vous essayiez chez vous-même de dire, écoutez, mon genou me fait mal, je vais reconstruire ma jambe au complet. Vous avez déjà une structure. Il faut s'en servir telle quelle. Il y a des codes, oui, qu'il faut respecter. Souvent, la collaboration est inadéquate. Il faut traiter de l'ingénieur, avec l'ingénieur, l'architecte, le spécialiste de l'aménagement de la ville, et s'assurer que les objectifs de tous concordent, le propriétaire, les concepteurs. Et puis, cette motivation à créer une approche à moindre coût, ça peut être fort problématique. Ce qui est le plus facile à faire pour l'ingénieur, c'est-à-dire le moins coûteux, c'est de construire un nouveau bâtiment. Alors, parfois, les gens disent, écoutez, on va abattre ce mur, je vais prolonger le bâtiment. Alors, il se peut que la personne ne comprenne pas nécessairement le mur. Et d'ailleurs, si un ingénieur ne comprend pas le système, les murs de soutènement, par exemple, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Deuxièmement, il se peut qu'il n'ait pas un budget adéquat. C'est ce qui coûte plus pour le client, c'est de tout rebâtir, bien sûr. Donc, il faut bien penser les interventions avant de les lancer. Souvent, il faut repenser sa façon de voir les choses. Oser avoir une vision nouvelle de la situation. Oui, nous parlons de ce qui nous motive, des buts, des valeurs et des codes de construction aussi. Les codes canadiens sont fondés sur des buts, des objectifs. Et les parties dont on se sert le plus, c'est des mesures prescriptives qui consistent en des solutions acceptables. Et moi, ingénieur, j'ai le droit de me servir de méthodes basées sur le rendement pour démontrer que je respecte les objectifs. Mais quel est l'objectif et quel est l'agencement de tous ces objectifs? C'est ça la conversation réelle. Comprendre ce dont on a besoin, ce que le projet, ce à quoi le projet appelle, c'est ça le vrai travail. Alors moi, je suis ingénieur et je travaille beaucoup, bien sûr, pour assurer la sécurité du public. Nous parlons de valeurs et de buts, mais c'est ça mon contexte général, la sécurité du public. Tout comme vous ne voudriez pas que votre médecin parle des patients. Moi, je n'étiquette pas toujours mes projets parce que, oui, on m'embauche lorsque les gens connaissent des défis. Alors, parfois, ils ne veulent pas que je parle de leurs défis. À d'autres, ce n'est pas toujours facile, ce domaine de la génie dû aux contraintes et les obligations qu'il faut respecter. Alors, oui, nous faisons... beaucoup de défis se dressent devant nous. Le changement climatique, l'environnement, même l'isolement de la population. Moi, je crois que l'environnement dans lequel nous vivons importe que cela ait un effet même inconscient sur nous, font partie de notre histoire et, en ce sens, nous montre ce que nous sommes capables de faire.
nos valeurs, si nous les reflétons dans les bâtiments, ces bâtiments vont nous appuyer et nous supporter aussi à notre tour. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Tom. Et notre prochaine conférencière, Laura Waldie, de la ville de Cambridge. It's going to take just a couple of minutes. Ça va nous prendre quelques instants pour préparer la présentation. Alors, dès que vous êtes prêts. Alors, voilà, nous sommes prêts. Merci beaucoup. Merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être des vôtres pour parler de la ville de Cambridge et d'un projet assez enthousiasmant sur lequel nous travaillons depuis environ 5 ans. Nous l'avons terminé justement en juillet. Alors, ça me fait plaisir de vous le présenter. Pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas la ville de Cambridge, permettez-moi de vous en dire un peu. En 1973, les villes de Hesbury et de Preston, ainsi que la ville de Galt, se sont fusionnées. Cela a créé la ville de Cambridge et il y a des rivières en cette ville. C'est une ville définie par ses rivières. La rivière Grand River, passe à travers Galt. Et ici, vous avez une vue du centre-ville de Galt où se trouve justement le bureau de poste, l'ancien bureau de poste. Et le Galt rejoint le Preston qui coule vers le nord. Galt, à la fin des 1900, on l'appelait le Manchester du Canada, dû à la fabrication, les textiles qui s'y trouvaient et le travail du bois. On créait des outils. Les rivières, donc, comptaient pour beaucoup dans l'histoire de cette ville. Il faut donc conserver les lieux historiques sur les rebords et les rives des villes. Cela importe pour les résidents et pour la ville. Voici une carte. Nous sommes à l'ouest de Toronto. Kitchener, la ville de Kitchener, fait partie de la région de Waterloo. Ici, vous voyez une vue de plus près, là où se trouve l'ancien bureau de poste au sud du 401. En s'en allant vers Windsor. Voilà une photo. C'est l'une des premières photos que nous avons dans les archives de la ville de Cambridge. Ça date de 1890 et ce bâtiment a été construit en 1885. Donc, c'était tout nouveau au moment de cette prise de photo. Alors, vous voyez dans la tour d'horloge, il n'y a pas encore d'horloge. Ce n'est que 15 ans plus tard que l'horloge a été ajoutée au bâtiment. Thomas Fuller était l'architecte de l'ancien bureau de poste de Galt, qui avait été conçu durant une période de grande effervescence économique. Et pour ceux qui suivent en ligne, qui n'ont jamais entendu parler de M. Fuller, c'était un architecte du domaine du Canada, architecte de 1823 à 1898 à ce titre, et on le connaît surtout au Canada pour avoir construit les édifices de l'Est, de l'Ouest et du Centre du Parlement du Canada. Ici, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui au Parlement, c'est l'édifice du Centre qui avait été détruit par un incendie. Et la bibliothèque, toutefois, qui avait été conçue par Thomas Fuller, a survécu à l'incendie. Si vous n'avez jamais vu cette bibliothèque, il faut absolument aller la voir. C'est de toute beauté. Alors, voilà, l'ancien bureau de poste en 1975. Ce n'était plus un bureau de poste, bien sûr. Ça avait été utilisé à plusieurs escients. Et en 1929, ça a cessé d'être un bureau de poste. Alors, on avait construit à ce moment-là un nouveau bureau de poste, un peu plus au nord. Alors, à ce moment-là, c'était un club de nuit, le Time Club, et avait connu beaucoup de changements. Voici une autre photo, une vue de l'arrière du bâtiment. C'est l'agrandissement que vous voyez, qui avait ajouté à ce qui était le bureau de poste. Et souvent, les gens en parlent comme ayant été un restaurant assez couru à l'époque. Les familles, les universitaires y allaient, des étudiants.
Et on voit encore les ombrelles sur la partie du haut. C'était l'une des utilisations, des réutilisations, donc adaptatives de ce bâtiment. Alors, en 2014, voici la façade avant de l'ancien bureau de poste de Galt, la ville de Combridge, ayant acheté ce bâtiment en 2012 pour en faire une sorte de bibliothèque, de Idea Exchange. C'est ce qu'on appelait la bibliothèque à l'époque. Ils avaient besoin d'un nouveau local parce qu'ils s'agrandissaient. Ils ont décidé d'acheter ce bâtiment, l'adapter à en faire une bibliothèque numérique. C'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs de ce projet, c'est que nous lions un bâtiment historique a un avenir numérique. Il y a un bureau de son, tout ce qu'on pense pour le numérique, on peut travailler le laser, la robotechnologie, c'est une bibliothèque totalement numérique. Mais au début, ce bâtiment avait besoin d'être réparé, c'est certain, on l'avait négligé et personne s'en servait depuis quelques années, donc on n'avait pas chauffé ce bâtiment sur de nombreuses années. Voici une autre vue de la façade arrière de l'ancien bureau de poste. Vous voyez que l'ajout du restaurant est en assez piètre état. Voici des détails du mortier et de l'ardoise qui sont en état détérioré, qui tombent même du plafond. Power up. Ici, vous voyez un peu de la rouille sur la tour de l'horloge, le clocher. Et vous voyez ici le fronton avec la date de création. Vous voyez la détérioration là aussi. On avait vraiment beaucoup besoin de faire des efforts de conservation. À l'intérieur, malheureusement, ça n'était pas beaucoup mieux. On voit où des trous ont été faits dans le plancher pour avoir accès au fil téléphonique et pour aller vers les étages en dessous. Ensuite, ça a été couvert de tapis et de ce genre de choses. Les portes ne fonctionnaient pas comme il faut non plus. Il y avait des trous dans certains des vitraux et des vitrailles, il fallait réparer. Et ici, ce sont les mécanismes de l'horloge qui étaient dans la tour du clocher. Et malheureusement, il y avait des pigeons qui s'étaient installés là beaucoup plus que des personnes dans les 10 années précédentes avant l'achat de la propriété par la ville. Alors, que s'est-il passé? En 2013, la ville a lancé un appel d'offres, une demande de proposition pour qu'il y ait un concept pour agrandir l'ancien bureau de poste et pour en faire quelque chose qui soit à la hauteur des normes modernes et que ce soit un emplacement pour la bibliothèque. Et voici le concept qu'il a emporté de la part de RDH Architects en Ontario, qui avait beaucoup d'expérience dans la réadaptation, la réutilisation d'anciens édifices. Il y avait un ajout en vitre qui était proposé à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Et là, je vais vous donner un aperçu de l'arrière aussi. C'est la façade arrière avec toute la portion vitrée qui était ajoutée. Ça a été accueilli avec des sentiments mitigés, disons. Ce qui était très controversé, c'était la portion qui flottait au-dessus de la rivière en sens contraire, mais il fallait que ce soit agrandi parce que l'édifice actuel ne répondait pas aux exigences en matière d'accessibilité. Il fallait un édifice qui soit accessible et ça ne répondait pas non plus au règlement du code pour les incendies. Si on allait se servir de cet emplacement pour les bibliothèques, on avait besoin de plus d'espace. Donc ces différentes ailes avec vitrées, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'espace et ça permettait de doubler l'espace de la bibliothèque afin que la programmation souhaitée soit incluse dans ce bâtiment. Ils ont aussi un peu d'espace pour agrandir à l'avenir. Collaborative Structures Limited était la compagnie de construction retenue par la ville pour se charger du projet. Ils ont débuté leur travail en 2016 et ici vous voyez tout l'échafaudage pour le travail de conservation de l'édifice. Ce projet a coûté 12,5 millions de dollars, 5 millions consacrés à la restauration et le reste est allé à la construction des nouvelles ailes et des coûts pour l'aménagement, les meubles dans la bibliothèque. Tout a été conservé
dans le patrimoine. Les fenêtres ont été enlevées, ont été amenées à Toronto où on les a réparées. C'était des fenêtres avec des pourtours en bois, okay, ça a été réparé, les vitrails aussi, ça, dans certains cas il y avait des trous dans les vitrails, on a réparé le mortier, les fondations, et on a placé une nouvelle toiture. Tout l'extérieur de l'édifice a fait l'objet de tous les soins qui étaient vraiment nécessaires. Ici, on voit la façade arrière à la rivière. Et pour la première fois depuis des décennies, en fait, les gens ne savaient pas de quoi l'édifice avait l'air auparavant, en dessous de ce qui avait été, l'aile qui avait été ajoutée. Vous voyez qu'on avait protégé certaines portions de cette façade avec l'addition. Et il y a l'échafaudage aussi sur le clocher ici. Et il y a de nouvelles poutres de plancher au sous-sol qui ont été installées, ainsi que on a renforcé les fondations parce que des fois il y a des inondations. On est sur la rivière et à Cambridge il y a eu des inondations au fil des ans. Il y a aussi un ascenseur qui a été ajouté dans l'édifice pour que ce soit pleinement accessible, et ça fait partie de ce mur qu'on voit construit à droite. C'est pour le compartiment pour l'ascenseur, et vous voyez les pierres d'origine ici et le fait que certaines d'entre elles avaient été très endommagées par l'eau. Ici, vous voyez le clocher, la tour de l'horloge qui est restaurée. On commence à enlever l'échafaudage et vous voyez comme les pierres étaient vraiment très belles. Les efforts de conservation étaient merveilleux de ce côté-là. Et ici, c'est quelque chose de très touchant pour la ville de Cambridge. Ça ne vous touchera peut-être pas autant à Ottawa ou à Toronto, mais la journée de la grue, ça a été une grande journée. Et très souvent, ce qui se passait, c'est qu'il fallait fermer la rue Water de deux bords pour permettre à cette grue de faire venir ces grandes poutres qui allaient servir à soutenir la portion qui est ajoutée à l'arrière, parce que l'eau n'est pas beaucoup plus grand qu'un timbre, et il fallait ajouter ces nouvelles ailes parce que c'était un très très petit lot et l'édifice prenait absolument tout l'espace disponible. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les bâtiments, il fallait être très prudent pour tout l'équipement qu'il y avait à acheminer. Alors voici ce dont ce vieux bureau de poste a l'air aujourd'hui. Si vous regardez ceci, la controverse était au sujet de la vitre qui est ajoutée. Bon, la vitre, est-ce que c'était acceptable? Est-ce que c'était perçu comme l'étant à côté de la pierre? Mais comme l'indiquent nos normes, toute addition devrait être distincte et un produit de son époque. Et si on regarde de ce point de vue ici, le point de mire, c'est encore l'édifice en pierre. Ça n'est pas l'addition qui est en arrière. Et ici, un autre point de vue à partir de Water Street vers le sud-ouest. Et voici cette addition à l'arrière, illuminée le soir, et ça a été conçu spécifiquement pour qu'on puisse voir le premier étage initial de l'édifice à travers la vitre. Et cette salle de réunion en haut, on me dit qu'il faut des mois et des mois pour y réserver la salle, parce que c'est extrêmement populaire étant donné le point de vue sur la rivière qu'on peut avoir de là. C'est un très très bel emplacement, c'est merveilleux, surtout par une belle soirée automnale comme c'est le cas pour cette photo ici. Un autre aperçu de cette nouvelle salle partir surplombant la rivière Grand. Et voici quelques photos de ce dont ça a l'air à l'intérieur. Vous voyez le quatrième étage, le laboratoire où on a la technologie robotique pour les ados. C'est tout là-haut et c'est un très très beau concept. Et il y a aussi la passerelle qui vous emmène de l'annexe vers l'édifice initial. Et ici, c'est le centre de découverte pour les enfants aussi. Et on a un salon et café au deuxième étage. Le café Monogramme, qui est le café dans ce bureau de poste, ils ont aussi un autre café en ville. Et ils ont aidé à faire des levées de fonds pour la ville et ils ont pris certaines des anciennes tuiles d'ardoises et ils les ont vendues pour
ramener de l'argent à la ville et ça a aidé à acheter de l'équipement pour la bibliothèque. Ici aussi, c'était quelque chose qui n'était pas prévu au départ dans notre plan de travail. Je ne sais pas si vous avez, il y a des gens de Parc Canada ici. Merci à vous. Vous nous avez offert une subvention importante de 832 000 et ça a servi à réparer l'horloge et les mécanismes. Ça n'était pas prévu au départ dans notre projet. Avec ce financement, nous avons pu protéger l'horloge et protéger le mécanisme. Donc, ces horloges fonctionnent. Ici, vous voyez la technologie des bottes, c'est ce sur quoi les enfants peuvent travailler. Il y a l'écran vert en bas qui est très populaire, me dit-on. Et ici, vous voyez l'ancien édifice de la Poste, illumination de nuit de Idea Exchange pour un peu. Nous avons pu embaucher Westbury Productions à Toronto pour installer un écran de projection, ce qui nous permet de projeter des images sur l'ancien bureau de poste. On a un programme avec des thèmes d'hiver, de printemps, de Noël. Et ça dure une vingtaine de minutes. Et ça commence à 9h, ça se poursuit jusqu'à 11h pendant la semaine. Et on a des gens qui viennent dans le stationnement. C'est presque comme d'aller voir un film, un écran au grand air. Les gens vont dans leur voiture et puis s'installent pour regarder l'illumination. Voilà, c'est la fin de ma présentation. D'après ce que j'ai compris, il y aura sans doute des questions à la toute fin. Donc voilà qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. L'interlocuteur va être M. Bernard-Serge Gagné. Alors, ça va prendre quelques minutes pour changer les diapos, mais à vous la parole. Merci tout le monde d'être là. Petite correction. Oui, pardon. Bonsoir donc et merci d'être à ce labo d'urbanisme. C'est une découverte pour moi, bien que je collabore avec le comité consultatif sur les résidences officielles. Je vois qu'il y a une vie culturelle très active au point de vue de l'urbanisme et de l'architecture ici et c'est vraiment très remarquable. Alors, petite correction sur mon titre. Peut-être on m'a présenté comme urbaniste. Je ne le suis pas. Je dirige le volet urbanistique de mon bureau, mais je suis essentiellement architecte et designer urbain. Alors, ce soir, je vais vous parler du monastère des Augustines. C'est donc un projet que j'ai eu le bonheur d'accompagner sur une... À vrai dire, c'est le projet dans lequel j'ai été impliqué le plus longtemps dans ma vie, de 2002 à 2015, lors de l'ouverture. Et je suis un fan, je ne peux plus m'en passer. Alors, ce projet, il concerne le monastère des Augustines, le premier monastère hôpital en Amérique du Nord. Alors, les sœurs Augustines sont arrivées en 1639, au tout début de la colonie. Elles ont habité un premier monastère et sinon, elles ont bâti au fil du temps ce complexe monastique qui les abritait, mais qui aussi dispensait des soins de santé aux gens de la colonie. Alors, on voit ici une portion de la ville de Québec et dans l'enceinte rouge. Ce n'est pas l'enceinte de la ville en tant que telle, mais c'est la zone reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous voyez l'ampleur du site en rouge qui est le site du monastère et de son hôpital. Ici, à nouveau, on se rapproche davantage. On voit les bâtiments en gris sont les bâtiments qui constituent le monastère. Et la partie blanche à l'intérieur des murs d'enceinte sont les jardins qui accompagnent ces bâtiments. Alors, il s'agit d'un complexe constitué vraiment sur près de 400 ans, 380 ans maintenant. Et
Ce que vous voyez sous les yeux, ce sont les parties parmi les plus originales, les parties blanches, notamment au centre du bâtiment, 1695 dans le cas de ces deux bâtiments, et des ajouts subséquents jusqu'en 1957. Et ce projet, donc, qui a permis de redonner vie au monastère tout récemment. Quelques définitions sur lesquelles je vais passer très vite. La mémoire, parce qu'on parle, évidemment de conserver, de préserver la mémoire et ce que ça représente comme défi de s'y attarder. Alors, d'abord, la mémoire, c'est la faculté de conserver, de rappeler des choses passées et ce qui s'y trouve associé. Dans le cas qui nous intéresse, un monastère ancien, des vestiges, des biens constitués au fil des ans, mais aussi une désaffectation, évidemment, de la vocation religieuse, ce qui fait que ce monastère s'est trouvé trop grand pour les occupants qui le logeaient. Au moment où j'ai commencé la démarche avec les religieuses, elles étaient 42 dans 110 000 pieds carrés. Alors, de tels projets représentent évidemment des défis de nature matérielle, parce qu'on travaille avec probablement ce qu'il y a de parmi les bâtiments les plus anciens sur ce continent, du moins ceux qui nous sont parvenus. Il y a évidemment des défis financiers. Dans notre cas, initialement, nous avions participé aux études d'avant-projet qui avaient identifié un coût de construction de 25 millions de dollars, mais des inconvénients de chantier comme la découverte de vestiges encore plus anciens sur le site même ont obligé de remanier le bâtiment. Des composantes ont été ajoutées au projet aussi, comme une réserve muséale. Et tant qu'à y être, les sœurs ont décidé de redonner du pep à leur lieu de prière. Alors tout ça a amené un projet à près de 32 millions de dollars. Les défis temporels, ben, c'est évidemment ceux de conserver de la matière ancienne et de s'exprimer adéquatement quand on intervient sur un tel bâtiment. Mais ça a aussi été un défi de réalisation du projet, parce qu'à partir du moment où le financement a été confirmé, donc en 2012, il fallait réaliser le projet et le livrer en 2015. En patrimoine et sur près de 125 000 pieds carrés de construction, c'était quand même un très bon défi. Les ressources autour de ce projet, elles étaient très nombreuses parce que ce projet couvrait des intérêts très, très larges. Alors, autant des archéologues, des historiens, des conservateurs, des architectes, des ingénieurs, des architectes de paysage, le client lui-même, les religieuses, bref, et aussi sans oublier les autorités patrimoniales, parce que justement, dans le cadre d'un projet aussi vaste et qui regroupe autant d'intérêts, je croyais qu'il était vraiment essentiel de fédérer l'ensemble de ces ressources et non seulement d'aller présenter des solutions aux instances publiques, mais de les mettre à profit dans l'aventure pour qu'il y ait une prise en charge puis une connaissance plus fine des choses, ce qui aiderait à relativiser puis à amener un processus décisionnel beaucoup plus éclairé. La justesse d'expression, bien évidemment, quand on est architecte, je crois, il faut, et architecte en conservation, il faut savoir être humble, il faut savoir décoder les intentions de nos prédécesseurs pour être en mesure de non seulement les préserver, mais aussi continuer ou explorer une nouvelle façon d'intervenir. Conserver de l'architecture, c'est une chose. Mon collègue en a parlé tout à l'heure. Le faire vivre, c'en est une autre. Alors, dans le cas d'un monastère ici, une vie monastique, un cycle monastique qui s'achève, une nouvelle vocation qui s'installe dans le bâtiment. Alors, il était déterminant de trouver une fonction qui pouvait convenir à ce bâtiment pour le projeter dans un nouveau quatre centenaire pour toi. Pourquoi pas?
Alors, quelques vues ici, avant-après, le parloir, le grand parloir du monastère, tel qu'il était il y a deux siècles, et sinon, presque deux siècles, et sinon, l'interprétation contemporaine dans la muséologie. Alors, les défis de la conservation de la mémoire maintenant. La mémoire, chez les Augustines, c'est évidemment une mémoire transmise. Imaginez une famille là, dont on peut retracer près de 400 ans d'histoire, parce que notamment, ses sœurs, elles étaient dans l'action, elles étaient dans une continuité, mais elles étaient aussi archivistes. Alors, il y avait toujours une sœur qui consignait l'information, ce qui fait que parmi les collections, il y a des documents signés par Louis XIV. Alors, la fondation de ce pays-là connaît certains de ses actes, se trouvent dans ce monastère et dans ses collections. Alors, il y avait autant cette mémoire matérielle qu'offrent les lieux et les collections, que le patrimoine immatériel aussi des Augustines. Et pour réussir une telle démarche, évidemment, ce que ça a pris, c'est de connaître ces gens. Ça a été, je parlais tantôt d'ateliers, une démarche participative a été vraiment le cœur de tout cet exercice, savoir ce qu'on se faisait léguer au-delà des bâtiments, des murs, pourquoi, la raison qui avait amené tel endroit à être configuré de telle façon, pourquoi tel matériau a été utilisé et qu'est-ce qu'on ressent dans ce bâtiment dû à la présence des Augustines. Vous savez, quand on est une sœur cloîtrée, on vit dans un environnement qui est très dépouillé, relativement feutré et où règne le silence la plupart du temps. Alors, on est allé puiser dans tout ça pour justement veiller à transmettre du moins par l'ambiance, cette immatérialité-là qui est intangible, mais qui, en même temps, qui est sensorielle parce que les lieux conditionnent une telle perception. Alors, je vais aller vite avec la chronologie, une idée des... So let me give you some chronology. In 2001, a first idea of these nuns, as I said, 42 nuns who were relocated into the building that you see in the center there, after we had taken down the tower element for a number of issues. It wasn't a stable building. So relocating then the nuns, and there were asbestos problems as well with the area they were relocated to, which we solved. There were a number of parties involved in coming up with the initial concept. At the outset, the concept was going to be more a museum one, but as we went along, we reached a point, there was a very important point when this shifted. Study upon study and secondary studies about contamination, the archaeological value of the site, and then we launched the project with a call for bids. So much invested at that point, we had we might have lost it all, but luckily we were re-chosen by the community to continue our work, and that was a great honor. Then once we received the order, we looked for inspiration. A number of international examples were of some use. There's no equivalent, of course, as we were saying earlier. Buildings are like people, and there was nothing quite like this anywhere in the world. Here are some images of some participative workshops that we ran in the area of Ottawa, the national capital. You have similar challenges, monastic buildings. And when this sort of process gets underway, having all the interested parties sitting around a table, sharing, looking at historic photos, hearing from the Augustinian nuns what they remembered of the site, all this allowed people to come together and to share a common understanding of the site, and thus better understand the challenges and what was at issue for the museologists, for those who would be in charge of showing the artifacts, the issues faced by the engineers, and those who would be running the building as well. Now,
something of some interest, I would encourage you to make use of this idea if you undertake this sort of work. For this project, we had a contract, an undertaking of 2 pages on which we described the historic nature of the site. And in simple words, in this engagement contract, we explained what was so precious about the building, why we were undertaking the project, and what we were expecting of all those who interacted with us and helped. And this engagement contract was given to any worker, any laborer who came in, whatever they were doing, whether they were a stonemason or a carpenter, they knew that they had a mission and they were going to be contributing to this based on the engagement contract. And this was very helpful to really support an inclusive approach. So right through 2015, an accelerated construction, not always easy to succeed at. That's why I also wanted to have the heritage specialists around the table at the outset so that they would understand exactly what we were, the challenges that we were facing. At the outset, we had said, look, here's the project. This is what we aim for. Don't ask us for complete sketches and plans right now, because we'll have to work this out as we go. We're asking you to trust us, believe in us, and we'll work as we go ahead. We had, it was an act of faith, really. We had 30 initial permits. We had to demolish some parts of the building right through to the final works at the very end. We had 27 requests for different measurements at the related to the building code. So what inspired us? Very quickly, luckily, there are three exemplary monasteries around Barcelona. I and an associate went over there to really learn as much as we could on the spot. The Monastère Royal de Poblet, really quite wonderful, right in the vineyards. And here we see a very good match, very old buildings with very new constructions. There's a hotel that's been added to this site, and this allows people to live the monastic life temporarily. Just as an aside, I've always admired the Spanish for their ability to respect their heritage, but also to project it forward into the future by helping people. Le monastère de Santes Creus, ici aussi, celui-ci avait sa caractéristique, la caractéristique pour laquelle nous le visitions, c'était notamment sa muséographie, la façon dont il fut mis en scène. Et le monastère de Vallbona, qui était lui aussi assez particulier et intéressant du fait qu'une communauté religieuse avait construit une aile d'hôtellerie et recevait des gens intéressés à vivre une expérience monastique avec elle. Finalement, une découverte de dernière minute sur place, le Parador Alcalá de Henares, Alcalá de Henares est une ville du patrimoine mondial dans la grande banlieue de Madrid, oui, exact. Et vous voyez encore une fois cette audace d'intégration contemporaine dans des lieux historiques. Alors, il s'agissait au monastère des Augustines d'une réhabilitation, non pas d'une restauration dans l'idée d'une poursuite des mêmes activités, mais vraiment de faire revivre le bâtiment en le respectant. Et nous avions aussi à procéder à des insertions architecturales pour permettre la transformation d'un lieu cloîtré vers un lieu public. On voit ici rapidement l'évolution du site. En rouge, son mur d'enceinte, comment son territoire a varié au fil des dernières années. Les petits bâtiments en gris sont des annexes que nous avons proposées et convenues de démolir pour libérer le site, pour redonner plus de clarté,
retisser dans le fond des liens avec la forme plus originale du bâtiment. Et ceci permettait, entre autres, à travers les bâtiments gris sont ceux qui constituent le projet, et entre les deux points rouges, donc d'effectuer un point de connexion et de traverser de la ville à travers le site. Alors, pour intégrer un lieu anciennement refermé sur lui-même en le connectant avec la ville, et aussi faire des interconnexions entre bâtiments. Alors, le lieu d'implantation de ce hall a été déterminé de cette façon. Et il y a donc un grand geste plutôt vertical et très étroit qui fait ce lien intériorisé, mais qui aussi qui se poursuit à l'extérieur avec une promenade paysagère. La vie des Augustines, c'est une vie qui est pleine de paradoxes. Je vous disais tout à l'heure, sœur cloîtrée, en prière, en silence. On traverse une porte, on rentre à l'hôpital, on entend de la souffrance des gens malades, des gens qu'on doit soigner, qu'on doit réconforter. On ne vit qu'entre femmes. On traverse de l'autre côté, on va soigner des hommes, des femmes, et des corps et des âmes, comme les Augustines le disent aussi. Je passe rapidement, comme le temps fuit. Alors, ici, un aperçu d'avant-après. Le bâtiment à votre gauche, le bâtiment qui servait autrefois d'entrée depuis 1957, un bâtiment plutôt très anonyme et inconvenant pour la nouvelle vocation. Et donc, ce hall nouveau et transparent qui permet maintenant de révéler le bâtiment qui se trouvait derrière et qui permet ainsi une meilleure orientation. Les inspirations du patrimoine des Augustines, la grille des visiteurs d'entrée au monastère et une grille qu'on applique sur un mur rideau pour créer justement, non pas une contemplation trop directe du monastère, mais garder un certain filtre comme une retenue à l'égard de ce patrimoine et du fait que c'est un ensemble cloîtré. Un autre exemple, les niches qui apparaissent souvent dans les bâtiments religieux et qui logent des saints patrons. Alors, dans la réserve contemporaine, une réserve étant par définition un lieu très fermé, très refermé sur lui-même où la lumière ne doit pas entrer, bien, on s'est permis de faire des petites niches, des petites boîtes en mémoire de ces niches et ça permet d'animer ce nouvel étage associé à une toiture. Alors, le parcours, pour nous, c'est important que depuis la ville, en franchissant le mur, qu'on passe d'un lieu plus bruyant à un lieu... Déjà, de traverser des murs de pierre, le silence s'installe, on déambule, il y a un cheminement ponctué de lumière, etc. Alors, ça permet de s'acclimater pour arriver dans l'ensemble monastique. Alors, voici en rafale quelques images du hall contemporain. L'ensemble de bâtiments, la petite rotonde qui est là, qui était autrefois, on entrait, on descendait dans un escalier spiral au sous-sol. On a mis un plancher et maintenant, c'est un espace de transition. La distance est plus courte ici entre la ville et le monastère. Alors, on traverse un lieu qui, justement, a une ambiance sonore très particulière et on déambule jusqu'à l'entrée par un petit sentier. Alors, c'est un projet où donc les strates inférieures du bâtiment regroupent les pièces de vie, les anciennes pièces de vie des religieuses. Elles sont maintenant musées dans le cadre du rez-de-chaussée, salles polyvalentes à l'étage supérieur et deux niveaux de chambres aux étages dans les combles. Alors, on voit ici les plafonds que vous voyez là. Eh bien, dans l'ensemble du monastère, tous les plafonds de bois ont été démontés, chaque planche numérotée. On a pu comme ça consolider quelquefois la charpente, mais aussi intégrer les systèmes mécaniques, les gicleurs, le filage, et pouvoir réinstaller tout ça sans qu'on ait toute cette perturbation là, technologique qui avait au fil du temps encombré les lieux. Dans le monastère, chaque intervention contemporaine est présente et franche et bien affirmée pour qu'on sache évidemment ce qui est, qu'on différencie la matière première de ce qui a été ajouté.
l'église, un monastère d'Augustine, c'est, comme ce sont des hospitalières, l'église se situe à la jonction entre le monastère et l'hôpital. Et donc, de part et d'autre, dans le transept, à gauche, vous avez la fenêtre qui donne sur l'hôpital où les malades peuvent assister à l'office. Et à droite, vous avez le cœur des religieuses, qui est la pièce suivante. Alors, ce cœur des religieuses, là où elles étaient assises de face l'une à l'autre pour les réparties dans le champ. Alors, évidemment, conservation des voûtes. Quelques images du chantier, une restauration et la conservation, un défi structurel assez fantastique pour préserver cette voûte en anse de panier qui était maintenant en dos de chameau. Voilà. Dissimuler la technologie ici, ça vous donne un peu une idée. À la fois, on a fait un double exercice, venir renforcer des poutres de bois qui étaient apparentes en dessous. On l'a fait par-dessus, par des éléments d'acier superposés. On en a profité pour dissimuler le filage, la tuyauterie, et de ce fait, préserver les espaces les plus qui se trouvaient en dessous de trop d'intrusions mécaniques. Ferblanterie, réhabilitation des grandes fenêtres du cloître. Voici un peu l'aspect final. La mécanique. Ça en prend. Au comble, le comble était quand même un comble froid. Et c'était l'espace qui se prêtait le mieux pour recevoir toute cette mécanique. En développement durable, voici un plénum. Alors, pour ceux qui sont familiers avec la mécanique, un plénum, c'est un espace dans lequel circule l'air. Alors, au lieu de mettre des gaines de tôle, on s'est servi des corridors pour faire des plénums et des transferts, des grilles de transfert d'air vers les pièces. On a dans le monastère du mobilier de collection assez ancien et on a pris le pari avec les conservateurs d'avoir de telles pièces de mobilier en contact avec les gens et il y a un immense respect de cette matière. Toujours en développement durable, la pharmacopée, cette science des plantes médicinales qui étaient avec lesquelles les Augustines sont arrivées, eh bien, elles avaient de par leur archive absolument incroyable par ailleurs, tout l'inventaire des plantes qu'elles avaient cultivées et leur rôle en médecine. Et tout ça a pu être mis à profit, notamment pour développer des tisanes qui sont servies au restaurant du monastère. Lieu de détente. Ici, la fenêtre que vous voyez avant, c'est la fenêtre qui a permis de reconstituer les grandes baies qui étaient disparues. Géothermie, il y a un parking à faire, bien, on va en profiter, puis on va mettre la géothermie en dessous. Ça permet donc de réduire les coûts d'exploitation. Voici la nouvelle vie du monastère. Son restaurant qui enseigne justement la bonne alimentation, la saine alimentation, le musée et entre autres qui présente une collection d'objets de médecine, la plus vieille collection d'objets de médecine en Amérique. Voilà. Et ça donne cette ambiance de recueillement. Et ça, c'est un autre aspect sur lequel je terminerai. Vous savez, transmettre l'âme, ça se fait par l'ambiance globale. Le fait de dépouiller ce monastère qui avait été encombré des tuyaux de gicleurs, des calorifères à l'eau, et etc. au fil des temps, ça a permis de retrouver un bâtiment très sobre, très simple, de retrouver la texture des choses, la texture du crépi, le bois, la senteur de l'huile qu'on applique sur le bois. On a même réalisé un escalier contemporain en hêtre torréfié. Et ça a une odeur de café. Alors, partout dans le bâtiment, on est accompagné par cette texture, par cette lumière, mais aussi par des odeurs qui conditionnent notre apaisement. Alors voilà, je termine sur ces quelques images du monastère. Et quand on se rend au monastère, on débranche. Thank you very much. Thank you to all of our speakers. Merci à tous.
Un grand merci. I'd like to invite Heather Thompson, manager. Je tiens à inviter Heather Thompson, la directrice de notre programme de patrimoine, à prendre des questions. Pour des présentations inspirantes. J'aimerais aussi remercier, on avait un petit comité de planification pour planifier cet événement. C'est inclus le Fiducie de patrimoine national du Canada, aussi l'Université de Carleton, aussi Patrimoine Ottawa et aussi le réseau de patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais. Alors, merci à vous. On va ouvrir les questions maintenant. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez demander les questions dans la langue de votre choix au micro. So to start off, though, I will. Mais pour commencer, je vais demander à Nathalie Ball de lancer la période des questions, qui est la directrice exécutive de la Fiducie nationale. À vous, Nathalie. Un instant, oui, ça va. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à la CCN d'avoir vu à cette belle soirée présentation et à vous tous de partager votre amour pour les lieux historiques en cette journée de la Saint-Valentin. Nous sommes aussi obsédés un peu ici par ce genre de projet tel celui du monastère. Ma question s'adresse à M. Gagné, mais pourrait être d'intérêt aux autres présentateurs également. Vous avez parlé des défis que présentait ce projet, défis financiers, techniques, l'opinion publique, les tensions entre professionnels, les normes. Et c'est assez intéressant que vous êtes allé voir d'autres projets en d'autres pays. Alors, avez-vous eu des idées en cours de route à savoir comment on pourrait changer notre système de conservation de bâtiments ici au Canada pour améliorer la situation. Christine, je vous dirais que ce qui a beaucoup facilité au départ l'appréhension de ce projet-là, ça a été sa documentation. Il y a eu vraiment une collaboration avec l'Université Laval, des étudiants qui ont fait des relevés architecturaux, qui ont fait vraiment qui ont retracé l'histoire du bâtiment. Évidemment, avec cette chance d'avoir toujours les Augustines, les archivistes qu'on pouvait mettre à profit, ça a permis donc de consolider une masse d'informations vraiment spectaculaire, vraiment fantastique et très utile. Alors ça, c'est souvent, par rapport au patrimoine, on se dit quelque chose va mal, il faut le soigner, mais on est plutôt démunis, surtout dans le cas des bâtiments qui ne sont pas déjà classés, qui n'ont pas fait l'objet d'études, on est souvent démunis. Alors, dans la mesure du possible, que les instances gouvernementales puissent permettre de subventionner la réalisation d'études préalables, c'est vraiment, ça fait toute la différence, parce que plus on connaît, plus on maîtrise, et plus on est capable de bien cerner l'ampleur des coûts de restauration, parce que vous savez bien qu'en restauration, on a beau diagnostiquer longtemps, il reste toujours des petits bobos qu'on a peine à trouver, là. Alors ça, c'est sûrement une des recommandations principales que je ferai par rapport au projet. Et sinon, comme j'en parlais tout à l'heure, celle de créer cette synergie entre les intervenants. Alors, asseoir les gens autour de la table, plutôt que les autorités patrimoniales soient en réaction avec les idées qu'on amène, alors qu'on les a travaillées pendant des semaines, des mois, des années, bien, d'être là, de comprendre les enjeux, de discuter, d'échanger, et de ce fait d'arriver à des consensus sur les directions à prendre pour la préservation de ce patrimoine. Alors, je vous dirais, c'est mes deux recommandations majeures, mettons. Bon conseil et félicitations pour un projet extraordinaire. Merci. Oui. Je devrais mentionner, je pense que les étudiants dans la salle seraient très contents de votre recommandation. Et en fait, il y a des étudiants de l'Université Laval, je crois, qui sont là. Alors, bonjour. Prochaine question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Andrew? Je vais poser ma question en anglais. I'm curious.
Je suis curieuse de savoir quelles étaient les opinions des panélistes au sujet des annexes qui ont été ajoutées à ces édifices historiques, parce qu'il semble qu'au XXIe siècle, nous ayons beaucoup de ces annexes qui sont faites de vitres, c'est transparent. C'est une expression de la transparence sur des édifices qui ont une certaine robustesse, solidité. On l'a vu au Centre national des arts, on l'a vu aussi au manège militaire à Québec. On l'a vu un peu partout au pays. Cette solution, on vient de la voir à la publique. À la bibliothèque de Cambridge, Ideas Exchange. Alors, j'aimerais savoir ce que nos conférenciers pensent de cette façon d'exprimer les annexes au 21e siècle. Ces annexes, dans les années 50, c'était un petit peu comme des centres d'achat, des murs, rideaux. Et est-ce que ça a bien pris de l'âge? Pas vraiment, dans bien des cas. Alors, si on inclut les normes, les conseils directeurs, vous avez dit que c'est qu'on devait s'y plier. Est-ce que c'est vraiment le cas? On le voit de plus en plus, y compris avec l'annexe à construire pour le Château Laurier. Est-ce que c'est accepté généralement par quoi? Par un comité? Par cette idée de se servir de ces annexes transparentes et que c'est de cette façon-là que c'est compatible avec l'édifice historique? Bon, je pourrais me lancer puisque nous avons la plus grande annexe vitrée. Et c'est vrai que ça a soulevé la controverse, absolument. Et il y avait divers facteurs que nous avons examinés. Il fallait examiner la taille de l'emplacement. On ne voulait pas bâtir sur quelque chose qui serait en pierre ou en bois parce que ça servirait à couvrir ce qui était déjà là et ça bloquerait les points de vue vers l'édifice initial. Mais il fallait accroître la programmation, il fallait donc ajouter ces annexes nécessairement aussi afin d'en arriver à avoir cette utilisation, accessibilité, et à cause des dimensions de l'emplacement, il nous a semblé que l'acier et la vitre étaient une bonne application pour cet emplacement-là. L'acier et la vitre, je dois l'avouer, c'est un produit de son temps. C'est très populaire en ce moment pour des annexes sur des édifices historique et l'histoire jugera dans 50, dans 60 ans si c'était approprié ou pas. Et tout dépend aussi de nos valeurs actuelles. Cela reflète cette valeur de la transparence, l'ouverture et le fait de laisser rentrer la lumière et d'avoir cet accès visuel à l'ancien édifice, marier l'ancien et le nouveau. Alors je crois que simplement étant donné les dimensions de l'emplacement, c'était logique de le faire de cette façon-là pour obtenir l'espace supplémentaire. Il était une fois, j'ai appris, ça me semble que ça fait très longtemps, quand j'ai appris la théorie de la conservation, ce qui m'a été dit et redit, c'est que c'est surtout fondé dans toutes ces erreurs que nous avons faites par le passé. On fait de la conservation, il y a des efforts de conservation formels depuis les années 1700 et on a appris, oui, ça fonctionnait, ça fonctionnait moins bien, etc., etc. Et dans certains cas, comme quand il s'agit d'annexes, c'est très difficile de trouver exactement où est la chose à faire. Même avec une annexe en vitre, dans certains cas, c'est très bien fait. Dans d'autres cas, c'est affreux de dire, voilà, c'est une matière. Est-ce que ça fonctionne dans tous les cas? C'est difficile à faire. Si on regarde la stabilisation qui a été faite sur le Colisée à Rome, les murs extérieurs avaient servi comme carrière pour aller chercher des pierres. Alors, ils ont dû les étayer de côté. Ça a été fait différemment d'un endroit à l'autre avec des briques complètement différentes dans un endroit. Dans les deux cas, ça va très bien. Mais dans d'autres cas, on a vu des efforts. Et 30 ans plus tard, on regarde ça et on se dit « mais c'est affreux ». Quel est l'emplacement? Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce que c'est un aspect essentiel? Tout ça, entre en ligne de compte. Essayez de bien faire les choses. Est-ce que telle ou telle chose, ça fonctionne dans tous les cas? Ben, je ne suis pas à l'aise à dire ni oui ni non. Il faut y avoir réfléchi. Est-ce que c'est bien planifié? Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui a simplement mis un mur qui bloquait la vue? Chaque projet doit trouver ses propres solutions.
le hall se veut très transparent parce que on est passé d'un lieu cloîtré à un lieu ouvert. Les bâtiments qui s'étaient agglutinés avaient recouvert des façades de bâtiments qui n'étaient plus possible de percevoir. Alors, dans ce cas-là, cette transparence pour un lieu d'accueil convenait bien. À contrario, vous avez vu aussi qu'on a intégré la réserve muséale sur la résidence des sœurs. Alors, on avait besoin d'une boîte noire à cet endroit. Et comme ça correspondait davantage à l'architecture d'un couronnement et à l'architecture traditionnelle du Vieux-Québec avec des toitures métalliques, on y est allé avec avec un parement d'inox qui réfère à cette matérialité, à ce grain. Alors, je pense que vraiment chaque réponse doit être en fonction du projet. Puis je vous pas un culte particulier au vert. Non. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter quelque chose, François Lachapelle. François, est-ce que vous pouvez aller? Oui, juste parce que tout le monde peut bien entendre. Non, ça va être rapide. Je voudrais juste rajouter, M. Gagné, que votre intervention très contemporaine dans le Vieux-Québec est la suite d'à peu près 20 ans de débat à la Ville de Québec au niveau d'une intervention design contemporaine dans le Vieux-Québec, parce que ça a été quand même un très, très long débat. Là. Ça n'a pas été une décision. « Ah, moi, je fais le mur de verre. » C'est une grande démarche de l'ensemble de la communauté de la Ville, des professionnels, des gens de patrimoine, parce que la Ville de Québec a vécu une super réplique, gâteau de fromage, qui est la Place Royale, qui est à la limite fausse, là. Alors, les gens de Québec est un petit peu tanné de la reproduction du patrimoine tel qu'on le voit maintenant, mais qui n'existait pas à l'époque. Bonjour. Moi, je ne suis pas experte en conservation des édifices patrimoniaux, mais je suis experte en oiseaux. Et je pensais qu'il allait poser ma question parce que j'ai remarqué que beaucoup de ces projets pour réadapter des édifices patrimoniaux incluent beaucoup de vitres. Et moi, je travaille au problème des oiseaux qui frappent les vitres, et dans beaucoup de ces nouveaux édifices, je vois le nouveau concept et ça me fait un petit peu mourir dans le fin fond de moi-même parce que je vois énormément de vitres et je me demande si vous êtes au courant du problème, si vous avez songé à ce problème dans les projets. Avec certaines des photos, c'est difficile à voir pour la bibliothèque s'il y a un dessin sur la vitre. Pour le monastère, j'ai remarqué qu'il y avait des grillages inclus, mais il y a encore beaucoup de problèmes dans de tels édifices avec des collisions d'oiseaux, et je me demande si vous avez songé à ce problème. Très bonne question. Est-ce que je peux poser une question en réplique? Je suis curieux. Est-ce que c'est une question que vous posez aussi aux nouveaux édifices? Ah oui, absolument. D'accord. Mais quand il s'agit d'édifices patrimoniaux, ce qui se passe souvent, c'est que vous prenez un édifice qui est extrêmement accueillant pour les oiseaux, qu'il y a des collisions, où il n'y a pas de collision, et là, tout d'un coup, il y en a de nouveau. Le Centre national des arts, c'est un édifice où je m'inquiétais jamais. Et maintenant, je trouve des oiseaux morts tout le temps avec la nouvelle conception. Moi, j'aimerais répondre, si vous me le permettez. Et là, c'est de la divulgation. Je n'étais pas employée par la ville de Cambridge au moment où le concept a été mis en œuvre. J'ai été embauchée en 2015 et le concept avait, à toute fin pratique, était déjà finalisé en 2014. Mais cela étant dit, il y a sur la vitre elle-même, un dessin, c'est en forme de diamant et cela réplique le dessin qui se trouve sur le fronton. C'est ce qui a servi à inspirer le dessin dans la vitre et cela aide à réduire les impacts d'oiseaux, d'après ce qu'on me dit. Alors, on ne sait pas à quel point ça a réduit les impacts parce que l'édifice n'a été complété qu'en juillet, mais je suis sûre que la ville va suivre ce dossier de près. Nous avons un dessin dans la vitre qui devrait aider à réduire les risques d'impact. Votre intervention est intéressante.
Évidemment, par rapport à la conservation, l'usage du verre se fait quand même en quantité assez limitée. Est-ce qu'il n'est pas plus préoccupant? Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper dans le patrimoine, mais peut-être de considérer tout ça pour les tours de verre qui sont quand même un plus grand danger en surface, notamment. Ce que je peux vous dire, par contre, dans mon expérience environnementale pour le projet, c'est la première fois où j'ai vu une section de vie qui prescrivait d'amener une douzaine de vers de terre mâles et une douzaine de vers de terre femelles pour sauver le tilleul qui se trouvait devant le bâtiment. Et parce que c'est un arbre assez emblématique des religieuses et que nous souhaitions bien le préserver. Mais malheureusement, l'expérience des oiseaux, je suis content que vous en parliez, mais je saurai assurément y réfléchir davantage à l'avenir. Merci. Une autre question à l'arrière? J'ai étudié l'architecture et il y a un édifice qui me frappe à Ottawa avec l'annexe qui a été faite. C'est la Banque du Canada avec la vitre autour. C'est moderne, c'est tout nouveau. C'est... selon notre idéologie de pseudo-vitre, mais ça n'est pas imposant, c'est un peu en arrière. Dans l'architecture que vous exprimez, il m'a semblé que c'est un peu trop abstrait avec la boîte de vitre qui surplombe, mais les autres parties sont plus harmonieuses. Et j'ai mal compris, sur le plan de l'acoustique, si on met certaines vibrations, les oiseaux, ils sont guidés aussi par le son. Alors le bruit, les vibrations, peut leur éviter un impact direct avec la vitre. C'est ce que j'ai compris d'après mes études. Non, c'est pas acoustique. C'est pour ça. Et c'est inaudible, malheureusement. La madame ne parle pas dans son micro. Il faut rendre la vitre visible. Et c'est intéressant que vous souleviez la Banque du Canada parce que c'est un des pires édifices dans la ville pour les oiseaux parce que c'est entièrement de vitre et il y a des arbres à l'intérieur de l'édifice avec la lumière et la végétation, la l'intérieur, ça attire les oiseaux. Et nous trouvons beaucoup d'oiseaux morts autour de cet édifice. C'est un des pires édifices à cet égard. Alors si ça n'est pas le son, si ça n'est pas la lumière, qu'est-ce qui pourrait les protéger? Est-ce qu'il y a une question pour nos conférenciers? On voudrait pouvoir continuer. Mais en fait, c'est assez chouette parce qu'on parle tous de l'importance d'avoir différentes personnes avec différents points de vue et différentes connaissances. Et là, on voit bien à quel point c'est important dans cette discussion. Vous avez bien raison. Il y a là une préoccupation justifiée. Dans certains cas, il doit y avoir plus de gens qui sont mêlés à cette discussion, justement. Ma question est donc... ce qu'on dit maintenant, notre idéologie culturelle, c'est qu'il nous faut des édifices de vitres qui sont grand ouverts. Dans la plupart des cas, c'est entièrement carré. Pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas plus vers des formes circulaires, triangulaires? Avez-vous des idées là-dessus? En ce qui concerne l'ancien bureau de poste, on n'avait vraiment pas assez de place pour faire autre chose que des lignes très angulaires. C'est très, très carré. C'est un tout petit emplacement. Il fallait que cette annexe surplombe la rivière pour pouvoir être casée dans l'espace. On n'aurait pas pu envisager un triangle ou quoi que ce soit d'autre. On n'avait pas assez d'espace pour le faire. Il y a un exemple intéressant à cet égard et c'est ça remonte à 98 à peu près, et c'est le Reichstag allemand
avec une structure de pierre très vaste et ils ont un dôme de vitres en plein centre, c'est très visible et on peut se promener à l'extérieur et juste en dessous vous voyez l'endroit où le gouvernement siège. C'est un exemple, oui, on a une vitre courbée, mais encore une fois c'est une question de savoir quelles étaient les valeurs, qu'est-ce qu'ils décidaient. La vitre courbée ça coûte très cher, dans bien des cas ils ne le feront pas ou ça ne répond pas à la vision du groupe. Il faut trouver un équilibre entre les priorités. C'est un peu comme d'essayer de jongler l'idée du solaire. On veut l'énergie solaire, mais on veut aussi les arbres. Et des fois, ces intérêts sont contradictoires. Il faut poser des choix. Le bureau de poste de Cambridge, c'est très impressionnant et c'est sans doute un édifice important pour la ville de Cambridge. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on avait laissé l'édifice se détériorer à ce point? Qu'est-ce que la ville avait à l'esprit en laissant cet édifice se détériorer comme vous l'avez montré? Et une autre question maintenant pour aller à Québec. À Québec, il y a de nombreux édifices d'une très grande valeur patrimoniale. Êtes-vous au courant d'une situation semblable où un édifice d'une grande importance historique ou architecturale à Québec se serait détérioré à un tel point? Est-ce que ça se produit à Québec? Parce que... ou est-ce que je rêve en couleur? Quelle est la dynamique? Qu'est-ce qui a mené à cette situation? Et où est-ce que je peux trouver de l'espoir? Comment éviter qu'une telle chose se produise? Vous voulez commencer? Oui, je vais le faire. En fait, la réponse est assez rapide. La ville de Cambridge n'était propriétaire que depuis 2012. Et c'est la ville qui a investi pour la restauration. La rénovation de l'édifice. Pourquoi est-ce que ça s'était détérioré à ce point-là? Il faudrait poser la question aux propriétaires précédents, mais les anciens bâtiments se détériorent si on n'en prend pas soin. Malheureusement, c'est la réalité des choses, c'est ce qui s'est produit. La ville de Cambridge ne peut être tenue responsable d'un édifice qui ne leur appartenait pas à l'époque, mais nous avons choisi de l'acheter, le réparer, le réutiliser pour en faire un emplacement qui serait encore populaire pour les citoyens. Bernard. On n'est pas parfait. Et y a plusieurs bâtiments, effectivement, d'importance historique qui ont été délaissés par leurs propriétaires, entre autres le patro Saint-Vincent, en tout cas un bâtiment qui était à l'entrée de la ville, sur le bord de la falaise, un projet qui a avorté et qui a laissé le site complètement dévasté, une maison sur Grande Allée qui se détériore, une maison locative, un propriétaire absent qui se détériore depuis des années. Alors, ce qui est intéressant, peut-être vous parliez d'avenir, la mairie de Québec a été saisie de ces problèmes et a demandé plus de mordant, a demandé une délégation de pouvoir du gouvernement du Québec. Et il y aura dorénavant la possibilité pour la Ville de Québec d'exproprier des propriétaires pour être en mesure de récupérer ces bâtiments et de s'assurer qu'ils soient préservés. Parce que, effectivement, sinon, ce ne sont pas malheureusement tous les détenteurs de patrimoine qui en sont de fervents promoteurs. Hi. So I'm in the mindset. Bonjour. Alors, je suis souvent d'avis qu'en travaillant ensemble, nous devrions penser plusieurs options d'aménagement durable. Et je voudrais demander aux panélistes jusqu'à quel point ils ont pensé la durabilité en concevant leur projet, tout en concevant un espace respectueux de l'histoire, mais en entreprenant une approche durable en même temps. Je vois bien que l'approche de chauffage thermal, il faut creuser assez profondément pour faire ça. Donc, j'aimerais savoir comment vous y êtes pris. Et pour la bibliothèque aussi, est-ce que vous avez des éléments durables? Oui. Ce bâtiment,
fait un effort pour atteindre la certification, l'homologation LEED. C'est ce que nous cherchons à faire dans la restauration des bâtiments de la ville de Cambridge, de respecter ces normes. Alors, nous avons une approche durable pour le chauffage ainsi que la climatisation l'été. Ça faisait parmi des éléments principaux dont il fallait s'occuper, en tout cas tous ceux qui répondaient à l'appel d'offres. Alors, ça compte absolument pour la ville de Cambridge. Heureusement, je peux traiter de plusieurs projets, non seulement d'un projet, puisque j'en ai pas présenté en particulier aujourd'hui. Alors, la conservation. Tous les projets ont leurs éléments uniques. On ne peut jamais dire qu'une approche s'applique à tous, mais y a quand même des idées principales. D'habitude, la plupart des vieux bâtiments étaient conçus pour laisser rentrer la lumière. Donc, les fenêtres permettent que le soleil entre. Souvent, avaient été conçus aussi pour une ventilation, surtout en des zones de température plus chaude. Des éléments passifs, donc, existaient à l'époque. Alors, cette valeur déjà bâtie existe. On n'a pas besoin d'ajouter de matériaux nouveaux. C'est assez intéressant pour les fenêtres. On dit qu'il faut mettre des fenêtres efficaces qui ne perdent pas, laisse pas passer la chaleur, alors que les études nous disent que les anciennes vitres fonctionnaient déjà très bien à cet égard. Ce qu'on achète maintenant, toutefois, va durer encore 20 ans. Il faut ajouter le fait que ces nouveaux vitres a été produit récemment et on s'est servi de produits chimiques pour le produire et ainsi de suite. Alors, c'est un objectif valable, la durabilité et le bâtiment vert. Mais comment y arriver? Les groupes qui établissent les normes aussi ont souvent posé plusieurs questions. Il y a le LEED, il y a le Green Globes. Comment justifier la durabilité? Comment le mesurer, en fait? C'est très utile de se servir de ce qui existe déjà. Ça, c'est déjà un élément de durabilité. La restauration, oui, c'est s'occuper de ce qui existe déjà. Donc, c'est une solution durable dans un certain sens. Dans le monastère, nous avions une approche à peu d'apport technologique à l'intérieur pour gérer le climat à l'intérieur. Nous ne voulions pas que les technologies prennent le dessus et prennent trop de place dans ce projet. Ce qui comptait aussi pour nous, et c'est d'ailleurs un principe de la conservation, surtout lorsque le vieux bâtiment est fait surtout de maçonnerie, de pierre. Si vous voulez garder l'humidité à un certain niveau, vous pouvez facilement détruire le bâtiment. Bref, si vous ne surveillez pas de près l'humidité. Et cela va pour les artefacts aussi présentés dans l'aspect muséal. Alors, une gestion à ce niveau-là est déjà à préserver l'ancien bâtiment. Donc, nous travaillons avec de vieux matériels, nous les respectons. Et ces murs épais, par exemple, peuvent être très froids l'hiver, mais peuvent également assurer une certaine fraîcheur l'été, protéger de la chaleur extérieure. Moi-même, je vais me permettre de poser une question. Il me semble que vous avez tous traité de l'importance d'une période préliminaire de planification, parler avec tous ceux qui seront impliqués, de mener la recherche à fond, de comprendre le cas, le site et les buts du projet. Mais nous ici, en cette salle, sans doute qu'on sait que le temps, on n'en a pas, c'est un luxe le temps. On n'a pas toujours le temps de faire tout cela. Alors, que suggériez-vous à ceux qui cherchent à lancer un projet, qui devraient prendre tout cela en compte, mais en calendrier très serré? Que sont vos suggestions?
Bon, voilà une question, pas évident la réponse. Le patrimoine, il est souvent en jeu des autorités gouvernementales, il est sujet à des annonces politiques et qui dit annonce politique dit volonté d'achèvement avant considération du processus. C'est pas évident. Il faut être en mesure de composer dans chaque cas avec les contraintes. Mais comme je l'expliquais, par exemple, encore une fois, avec le cas du monastère des Augustines, de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, déjà, c'est rendre conscient des défis que représente un projet. Les autorités qui disent « OK, j'octroie des sous pour réaliser tel ou tel projet » ne voient souvent pas toutes les étapes cruciales qu'on a à traverser pour y parvenir. Alors, de les impliquer avec nous, c'est déjà les conscientiser. Et quelquefois, au-delà des annonces politiques, il y a moyen de reconsidérer l'échéancier du projet. I think I'll try to keep it as simple as possible and say you could do it fast. Je pense que je vais dire tout simplement qu'on peut le faire vite, le faire bien, ou le faire de façon économique, mais on ne peut pas faire les trois. On ne peut que faire deux de ces choses-là. Avec la ville de Cambridge, notre projet, nous avions des comités directeurs qui se sont impliqués à diverses étapes. Par exemple, à la conception, nous avions le groupe qui consistait en le maire, quelques conseillers de la ville, des membres de la bibliothèque, des architectes, certains membres représentant la collectivité, entre autres. C'est eux qui menaient à bien le projet, ils examinaient les études qui avaient été faites, ils faisaient des recommandations et ils surveillaient tous les éléments qu'il fallait enclencher pour aller de l'avant. Après, nous étions à l'étape de la construction. Ce même comité demeurait intégralement impliqué. Il faut prendre du temps, oui, mais ces comités directeurs permettent aussi de continuer à avancer à un certain rythme. Et ces réunions étaient ouvertes au public. Alors, les membres du public pouvaient venir présenter leur point de vue et présenter des demandes aussi. Tout cela était entendu et comptait aussi pour le projet à long terme. Mais ce comité directeur, en tout cas pour nous, nous a permis de mener à bien le projet en respectant un calendrier, respectant un budget. Cela aide beaucoup, un comité directeur. C'est bien, nous avons une question au fond de la salle. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Mes questions portent sur autre chose, la gestion des pertes, prenant en compte tous les défis que vous avez mentionnés en vos présentations, les finances, la durabilité, les valeurs, des comités, entre autres, et de ce qui est acceptable aujourd'hui. Avez-vous mené à bien des projets où on aura, par exemple, décidé de laisser tomber l'aspect patrimoine? Les éléments patrimoniaux avec des pertes encourues, est-ce qu'on a pu gérer ces pertes? D'accord, alors je vais m'avancer, les autres peuvent y penser quelques instants. Oui, j'ai connu des situations où on aura évalué un bâtiment, on revient à un groupe d'intéressés, on dit voici ce qu'il y en a maintenant et voici ce qu'on voit à l'horizon. Le groupe doit s'asseoir et penser comme il faut au fait que les dépenses seront plus élevées que prévues. Eh bien, la plupart des groupes avec lesquels j'ai travaillé ont eu à évaluer ce qu'il faut faire pour, à tout le moins, ouvrir les portes du projet, au moins arriver à quelque chose. Ça, c'est très utile d'avoir un minimum. D'autres, éventuellement, en viennent se demander s'ils peuvent vraiment garder le bâtiment, le restaurer, cet édifice. J'en ai vu des groupes où ils disent « oui, nous allons trouver la solution ». Et 5 ans plus tard, ils disent encore « oui, nous trouverons la solution », alors que l'édifice détériore. Certains groupes prennent du recul et se demandent bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment réaliser. Ça, c'est assez intéressant. Les églises, surtout en des régions rurales du Canada,
vivent ce genre de situation où ils doivent prendre du recul pour se demander, bien, alors, qu'est-ce qu'on représente vraiment? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on cherche à réaliser? Ça, souvent, ça donne lieu à de l'innovation. C'est là que de tels groupes commencent à penser autrement, à chercher de nouvelles approches. Et ils se disent peut-être, bon, écoutez, la communauté en a besoin deux soirées semaine, donc nous pourrions peut-être faire ça autrement. Et là, parfois, ils décident de ne pas entamer des rénovations, des restaurations. Ils veulent juste le minimum pour continuer à se servir de l'édifice. Eh bien, pour ma part, moi qui est une planificatrice urbaniste, je vois souvent les propriétés patrimoniaux qu'on cherche à réutiliser. Je crois que c'est utile de créer toutes sortes de relations, à tout le moins au niveau municipal, avec des développeurs, nous avions une situation, une propriété avait été construite en 1887, où le propriétaire voulait démolir et bâtir des maisons. Ce bâtiment n'était pas sur le registre historique, faisant que nous ne pouvions pas évaluer le bâtiment. Mais l'urbaniste principal de la ville, et je me suis assis avec le propriétaire pour expliquer en quoi le patrimoine compte et comment il pourrait incorporer de la nouveauté, une nouvelle partie du bâtiment en respectant le patrimoine qu'il avait. On dit que pour effectuer une vente, il faut 7 points de contact. C'est un peu la même chose. En menant à bien ces conversations, on crée une relation avec tous et chacun afin qu'on puisse travailler ensemble, basé sur une confiance commune. Alors, pour tout dire, le développeur a fini par accepter que ce bâtiment soit inscrit sur la liste des bâtiments patrimoniaux. Il ne l'a pas démoli. On avait déplacé une partie du bâtiment afin de pouvoir créer les maisons qu'il voulait sur l'autre partie de son terrain. Mais l'ancien bâtiment se trouve sur le devant de la rue et demeure le bâtiment le plus important sur le site. On peut également évaluer le bâtiment pour savoir s'il y a vraiment une valeur patrimoniale et si on doit vraiment le protéger de la démolition. Parfois, la réponse est non. Qu'il n'y a pas une historique pertinente, non pas pour cette rue, mais pour le quartier, pour la ville dans son ensemble. Et dans ce cas-là, dans ces cas-là, si on choisit la démolition, on cherche quand même à encourager la récupération des parties anciennes du bâtiment, que ces parties puissent être utilisées ailleurs. Parfois, le simple fait de partager de l'information. Moi, j'aime bien l'information qui est non biaisée. Le ministère de la Défense, département de la Défense états-unienne, a fait demander s'il fallait démolir des écuries. Il s'agissait de bâtiments non inscrits sur une liste. Ils en avaient souvent, en grand nombre d'écuries, de collègues à moi avaient été consultés et ils se demandaient qu'est-ce qui vaut la peine pour l'environnement, pour la qualité de l'espace donc on aura. La plupart des sites, c'était mieux de garder les écuries. Ça, il s'agissait de faire d'une écurie un lieu pour les soldats. Alors, souvent, il y a beaucoup d'informations qui existent, plus qu'on ne le pense. Et si vous êtes un concepteur, un promoteur, vous pouvez prendre tout cela en compte. Stan, est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Oui, j'aimerais revenir à l'utilisation du vitre dans les bâtiments, les édifices patrimoniaux de la vitre.
On a parlé de la Ville de Québec et vous avez dit que l'utilisation de la vitre permettait de voir à travers les anciens édifices et les éléments principaux de la structure ancienne, par exemple l'entrée principale du monastère. Est-ce que c'est une raison valable qui nous pousse à choisir la vitre, au-delà du fait que ce soit peut-être moins coûteux, et non seulement la transparence, mais également le reflet que cela ajoute. Il y a certains bâtiments qui permettent de voir à travers et on voit à l'intérieur, mais sur lesquels se reflètent d'autres édifices patrimoniaux autour. Cela aussi, c'est une valeur ajoutée. Et à la ville de Cambridge, lorsque vous regardez ce vieux bureau de poste à partir de la rivière, est-ce que cela aide le fait qu'il y ait de la vitre? Oui, on le voit mieux lorsque les lumières sont allumées à l'intérieur du bâtiment. C'est très joli. Mais pour l'aspect reflet, l'architecte qui a conçu cet ajout, cette annexe, voulait qu'il n'y ait pas de reflet parce qu'il ne voulait pas avoir un effet néfaste sur ceux qui se promenaient dans la rue en voiture. L'utilisation donc de la vitre en ce site était censé du fait que le site était petit, nous voulions utiliser au meilleur l'espace que nous avions. Nous ne voulions pas ajouter des pierres qui, de fait, couvriraient ce que nous venions de rénover. Voilà pourquoi la vitre était très fort censée. Peut-être prendrons-nous une dernière question parce que oui, allons-y. Alors, si je comprends bien, les éléments conceptuels sont très intégrés lorsqu'il s'agit surtout de remise à niveau d'édifices patrimoniaux et qu'il faut prévoir une équipe de plusieurs spécialistes. Je me demande ce que le secteur penserait de consultants en durabilité. Car il me semble que ce soit assez technique, à savoir combien de fenêtres du côté sud du bâtiment, ça vous permettrait de chauffer moins, d'avoir moins de mécanique. Je ne sais pas si ces spécialistes sont présents à toutes les réunions ou s'ils sont des membres du comité directeur. Moi, je suis co-président du comité d'ingénierie. Parmi les défis auxquels nous faisons face, c'est d'avoir des ingénieurs formés à toutes les disciplines, les sous-disciplines de la génie. Vous parlez de la génie mécanique. C'est très bien de dire qu'il faudrait qu'un spécialiste de ce genre soit là, mais on ne peut pas toujours les trouver. Ce serait l'une des sous-disciplines. Si on a ce genre de personnes, c'est fort utile, car ils sont assez rares. De fait, les ingénieurs spécialisés dans les vieux édifices, c'est déjà assez rare. Certains projets demanderont qu'un spécialiste de la durabilité soit là. Il y a de petits projets de durabilité qui, effectivement, visent surtout la durabilité. Donc, la vision du projet diffère dépendant du projet. Changé au cours des dernières années, c'est qu'évidemment, quand le système LEED d'accréditation de certification de bâtiment est survenu, une mode à la fois, mais aussi une façon de diffuser
la nécessité, oui, d'adopter des comportements puis des façons de construire plus vertes. Alors, au départ, évidemment, quand c'est apparu davantage au Québec, on se sentait un petit peu dépassé, mais je pense que depuis le temps, et notamment dans mon bureau, c'est un enseignement qu'on fait à notre personnel. On s'est donné comme vision que tous nos bâtiments, qu'on nous demande ou pas d'obtenir une certification LEED, devaient l'être par le choix, par chacun des gestes qu'on fait au quotidien dans la création, dans l'élaboration des projets, dans le choix des matériaux. Ce souci doit être permanent et ancré dans chacun des aspects du projet. Alors, quand une certification est visée, on peut avoir recours, si on n'a pas un tel consultant au sein de notre entreprise, un consultant externe qui peut fédérer, d'une certaine façon, piloter l'ensemble des professionnels. Mais je vous dirais que de plus en plus, autant dans les boîtes de génie que dans les boîtes d'architecture, ce souci du développement durable est assez largement répandu. Je pense qu'avec ça, on doit terminer la soirée. On était chanceux d'avoir en fait un architecte, un ingénieur et une planificatrice sur cette même scène. Et merci beaucoup à vous tous pour avoir partagé avec nous vos expériences dans l'art et la science de la conservation et les nouvelles vocations. So thank you everyone for coming. Merci à vous tous d'être venus à cette session du Labo d'urbanisme. Je cède la parole à Toby. Merci Heather, merci à tous nos conférenciers. Je veux simplement faire une petite annonce. Le prochain Labo d'urbanisme sera le 20 mars. On fait les choses un peu différemment. Ça va être le matin, le 20 mars à 8h30 du matin ici dans le Labo d'urbanisme. Et le sujet, c'est bon d'accord Google. Comment est-ce qu'on peut engager les communautés en ligne? Le 20 mars, le matin, à 8h30 le matin, OK Google, comment mobiliser des collectivités en ligne? We hope to see you here. Nous espérons vous voir ici pour cela à 8h30 le 20 mars. Merci à vous tous. And thank you again to all of us. Merci à nos conférenciers de nouveau. Thank you.